Depuis que tu es petit, tu t'identifies à ton environnement. Tu dis ça c'est ma mère, ça c'est mon père, ça c'est ma maison, ça c'est mes affaires. Mais en fait, ce n'est pas une réalité. Tout ça, ce n'est pas à toi. Le corps dans lequel tu vis ne t'appartient pas. Le corps dans lequel tu vis appartient à Mère Nature. C'est tous les éléments autour de nous qui ont fait que ce corps puisse exister. Le soleil, les étoiles, tout ça fait en sorte que ça puisse exister. Donc ce n'est pas à toi, ça appartient à Mère Nature. Et Mère Nature, elle te dit d'ailleurs, quand tu auras fini avec ce corps, tu le laisses là dans la terre. C'est pas à toi. Donc, c'est un véhicule avec lequel tu circules. Mais on a l'habitude, c'est rentré dans les mœurs pour dire que ça c'est à moi. Ça m'appartient. Et on fait ça avec toutes les autres choses aussi. On dit c'est ma religion, c'est ma maison, c'est mon argent. Mais en fait, c'est pas ta maison, c'est la maison dans laquelle tu vis. C'est pas ta femme, c'est la femme avec qui tu vis. Mais comme nous le croyons vraiment, alors on établit un sentiment de réconfort, de sécurité, parce qu'on se croit être protégé par ce qui nous entoure, par ce que l'on a gagné pour pouvoir exister. Parce que toutes ces apparences que l'on se donne dans l'identification que l'on a, ça nous donne une certaine sécurité. Mais c'est une sécurité qui est fausse en fait. Parce que la vraie sécurité, c'est quand tu es libre de toute la sécurité que tu dois te faire. Parce que toutes ces choses vont devoir être soutenues pour pouvoir exister. Et tout s'effrite, que tu l'aimes ou pas, tout va s'effriter, tout est éphémère, tu ne peux rien garder. Tu es né nu et tu repartiras nu. Et c'est pour ça que avant de repartir nu, il est bien de savoir combien tu t'es attaché aux choses et combien emprisonnant ça a été pour toi. Comment ça se fait que tu t'es emprisonné à être dépendant des choses qui t'ont, avec lesquelles tu crois être en sécurité? Parce que tout ça, ça te donne une allure, un personnage, un caractère qui fait que tu es affilié à tout ça. Tu dis ça c'est monsieur un tel, ça c'est l'américain, ça c'est le chinois. Lui il a réussi, lui il n'a pas réussi. Donc on a une certaine notoriété et avec cette notoriété, ben, on existe. On existe au regard du monde. Le monde te reconnaît et te respecte, te donne un peu de glorification, te met sur un piédestal. Et là, on croit que c'est ça l'existence. Et en fait, depuis des millions d'années, on est toujours en train de faire cette chose-là. On s'identifie aux choses et puis on croit être en sécurité. Et puis on meurt avec tout ça sur le dos. Et à la mort, tu dois quitter tout ça. Mais là, moi, je suis en train de te dire, avant que tu mettes le pied dans la tombe, habitue-toi à regarder les choses sans que tu sois identifié à ces choses. Regarde ton corps comme le véhicule dans lequel tu vis, tu l'utilises, c'est la maison que tu utilises pour vivre, mais ce n'est pas à toi, ce n'est pas ma maison, ma voiture, mon ami, ma femme. Tout ça c'est un leurre. Et parce que tu te leurres, alors
cette identification devient un problème, parce que tu vas vouloir le défendre. Si ça s'en va, alors tu vas vouloir t'y accrocher, parce que c'est la seule chose qui te donne un peu de sécurité pour vivre dans ce monde, puisque tu t'es identifié à ça. Et toutes ces choses que tu t'es identifié, ben ça te donne un certain réconfort, l'impression d'une sécurité. Mais de savoir que tout ça, c'est un leurre, ça va t'aider. Ça va t'aider à sortir de ce carcan dans lequel tu t'es mis, cet emprisonnement, à l'identification d'être ce que tu aimerais être. Donc, tu vas pouvoir t'évader au-delà de tout ce que tu as acquis, de toute la connaissance que tu as, de tout ce que tu as amassé pour pouvoir exister. Parce que ce que tu es pour de vrai est quelque chose de libre. Tu n'es pas dépendant des choses. Si on est dépendant des choses, alors les choses vont nous retenir et nous ne serons pas libres, nous serons limités aux choses qu'on a gagnées pour pouvoir exister. Et tout ça, c'est limitant. Parce que tu ne reconnais pas ta vraie identification. Parce que tu es identifié au cosmos, à la poussière d'étoiles. Tu es l'éternité même. Mais ça, c'est ta vraie identification si tu veux être libre. Parce que tu es libéré de des petites choses dans lesquelles tu t'es identifié. Alors que tu es tout. Tu peux élargir ta perception, non pas seulement à ma maison, ma voiture, ma femme, mes idées, ma religion, mais il est au-delà de tout ça. Tout ce que tu es est au-delà de tout ça. Et il y a une grande liberté. Là, tu as composé un petit univers et ce petit univers t'emprisonne. Alors que l'univers tout entier, c'est ce à quoi tu es identifié vraiment. Et ça, c'est la liberté d'être vrai, la liberté d'être totalement libre, totalement indépendant, quelqu'un d'authentique, de vrai, qui n'est pas affilié à rien, mais il est affilié au tout. Et le tout, c'est sa maison. Parce que il est tout ça. Mais nos petits esprits restent confinés dans un monde matériel où on s'attache. Et cet attachement crée beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce que quand tu es attaché, alors tu as peur que tout ce à quoi tu as pu acquérir cesse d'être là. Donc il y a cette peur de ne plus avoir ce qui te donne cette gaieté d'être là, présent avec toutes ces choses, ces plaisirs que tu as. Le plaisir pour toi est devenu très important parce que ce sont ces choses qui te donnent ce plaisir d'être. Mais tu ne sais pas que ces plaisirs sont éphémères. Tu veux tout simplement les faire exister parce que tu t'es identifié avec. Et là, il y a de la souffrance. Quand ça s'arrête, il y a de la souffrance. La souffrance parce que rien ne reste, rien n'est éternel. Tout est chaotique. Tout est... ça vient, ça part. C'est éphémère tout ça. C'est une illusion. La seule chose qui est vraie, c'est ce qu'il y a au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, il y a l'éternité. L'éternité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ta souveraineté est dans ce qui est immuable.
ce qui est immuable ne peut pas être détruit. Donc c'est là-dessus que tu vas devoir poser ta confiance, mais pas sur des choses. Le terrain que j'ai acheté, la maison que j'ai achetée, la voiture que j'ai achetée, tout ça, ça te donne un réconfort. Et ça te donne ce sentiment d'être arrivé quelque part. Tu as eu un but en ayant toutes ces choses-là. Et tu crois être arrivé. Mais en fait, tu es arrivé à t'emprisonner pour de vrai. Parce que tu dois continuer à faire exister toutes ces choses. C'est-à-dire tu dois payer tes impôts, tu dois payer les annuités, tu dois faire en sorte que tout ça se perdure de la même manière. Et donc, il y a cette peur qui est la souffrance que nous connaissons tous. Et de la souffrance, il y en a beaucoup, parce que rien n'est pérenne, tout s'en va. Et tous les jours, on peut le voir dans nos vies, les divorces, la déchéance, les faillites. Tout ça, ça crée la peur de ne plus être dans ce plaisir que nous avons gagné. Donc, on est en train de dire là, avant que la tombe arrive, lâche tout ça. Cherche à t'identifier avec ce que tu es pour de vrai, c'est-à-dire cet immuable, quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, et qui fait partie du tout. Tout ça, tout, c'est ce que tu es quelque part, mais tu t'es identifié seulement à quelques éléments. Ce que je suis, c'est le cosmos. Ce que je suis, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Et ce que je suis en réalité, c'est celui qui vient faire exister tout ça. Notre difficulté, c'est de croire que nous sommes quelqu'un, que nous sommes devenus ce que le monde attend. Parce que l'identification, ça veut dire que tu es dans la norme prescrite de comment tu devrais te comporter, qui tu devrais être. Et ça, ça dure depuis des millénaires. On s'identifie aux choses et on devient ce que ces choses sont. Et on est dans l'apparence. Parce qu'on n'est pas vrai à ce moment-là. Ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est au-delà de tout ça. Alors, donc toutes ces choses créent l'apparence de ce que tu es. Tu te donnes une allure, tu te donnes une apparence pour exister. Parce que le monde prévoit que tous les gens devraient être comme ça pour pouvoir être conformes à la norme. Si tu n'es pas conforme à la norme, alors tu es mis de côté. C'est pour ça qu'il y a toute cette peur de ne pas être moulé à tout ça, de ne pas être identifié à tout ça, que ces choses s'en aillent. Mais ça, c'est ce que nous avons inventé, ce que nous avons décrété depuis des décennies et des décennies. Parce que tout ce à quoi on s'est affilié, c'est justement le réconfort, la gaieté que nous avons tous, tout un chacun. Et de cette gaieté, on n'en a jamais assez. Parce que elle s'en va, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Elle n'est pas quelque chose que tu peux garder. Parce que c'est éphémère. Donc au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que malgré que tout ce que tu as pu te procurer, il y a cette insatisfaction, ce sentiment de vide en fait. Il y a quelque chose qui est vide.
Et toi, avec tout ce que tu as pu gagner, tu as essayé de remplir ce sentiment de vide que tu ne voulais pas voir. Parce que tout ce grand cosmos éternel, c'est ce vide que tu es. Tu es ce vide. Et tu ne veux pas le voir. Parce que tu préfères être dans l'identification aux choses pour te rassurer que d'être tout ça. Ça, parce que l'inconnu que tu ne connais pas te fait peur. Donc tu gardes ce à quoi tu t'es identifié. Et tout ça te donne un réconfort. Mais l'inconnu, le grand, l'indisible, le véritable, l'univers, l'intègre que tu es, ne peut pas exister à ce moment-là. Il n'y a que la petite univers que tu t'es fabriqué et qui est là et qui t'emprisonne. Et tu ne vois pas la vie autrement que à travers ce que tu as gagné. Pourtant, tu viens nu et tu repars nu. Ça, c'est le destin inexorable qui se passe ici. À toi de voir comment tu vas faire. Parce que il faut que tu t'entraînes pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce à quoi tu t'es procuré. Tout ce que tu es devenu, l'image que tu te donnes, tout ça, cette fausseté. Il faut que tu voies qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a la grande réalité. La réalité, peut-être que très peu d'entre nous veuillent regarder, parce que ça nous effraie. On préfère rester ignorant de cette chose et côtoyer ce qui nous réconforte. Donc on côtoie ce que on a gagné, tout ce à quoi on s'est identifié, ça devient très important. Et c'est la seule chose que tu peux faire pour trouver justement cette liberté, te détacher de tout ça, se détacher de tout ce à quoi tu crois être, tout ce personnage que tu te donnes d'être. C'est une illusion. C'est pas toi, ça. Ça, c'est tout ce que tu as pu amasser sur le parcours de ton existence. Et tout ce que tu as amassé, c'est-à-dire tout ce passé que tu es maintenant, que tu es devenu, ce passé se fait valoir à travers le personnage que tu te donnes d'être, à travers tous les rôles que tu joues. Et tu voudrais exister à travers ça, mais comme c'est un leurre, alors tout s'effrite. Et justement, c'est là où tu changes, parce que tu as besoin de cette liberté pour être libre. Celui qui arrive là, il se sent acculé. Il ne peut plus continuer comme avant parce que il a vu ce qu'il y a au-delà. Il y a une grande liberté, une grande joie, la joie de ne plus avoir à paraître à travers ce que tu as gagné. Parce que quelle liberté de savoir que tu n'as plus rien à faire pour paraître. La joie de vivre vient de cette faculté à regarder la vie telle qu'elle est, mais pas la vie comme tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est ta tête qui te le propose. C'est le monde qui te propose de te mouler. Et le monde, c'est toutes les conclusions qui ont été faites depuis des temps immémoriaux, pour lesquels tu éprouves un peu de sécurité si tu entres dedans.
parce que tout le monde l'a fait avant toi. Et toi aussi, tu vas le faire, parce que tout le monde dit que c'est ça que tu dois faire. Et le monde qui le dit, ce sont toutes nos pensées qui sont en nous, parce que nous avons hérité de la race humaine avant nous. Donc c'est ce que nous nous disons à nous-mêmes. C'est un programme qui a été façonné pour que tu puisses aller dans ce sens-là. Et quand tu vas dans ce sens-là, il y a la déchéance. La déchéance, la souffrance et toute ta liberté, elle est emprisonnée. Tu t'es emprisonné. Parce que ce que tu es, c'est la liberté. La liberté est emprisonnée.